Et donc, à nouveau, la Force est avec nous pour parler de la trilogie. La vraie, la grande, l'unique, celle pour certains qui disent il n'y en a qu'une seule qui existe, et ce n'est pas celle du Seigneur des Anneaux, c'est celle de Star Wars. Ah, donc, la trilogie originelle, alors réalisée par George Lucas pour Un Nouvel Espoir, Irving Kirchner pour L'Empire Contre-Attaque et Richard Marquand pour Le Retour du Jedi, écrit par Lawrence Kasdan, George Lucas et Lee Brackett pour les trois films. Ils se sont équilibrés au niveau de l'écriture. Donc voilà. Donc, sorti respectivement en 77, 80 et 82, il raconte donc l'histoire de Luke Skywalker qui va découvrir qu'il est le dernier Jedi vivant. Avec Obi-Wan, mais Obi-Wan s'apprêtant à mourir, il est le dernier Jedi vivant, et donc il va devoir affronter Dark Vador pour ramener l'ordre et la paix dans la galaxie. Pour faire simple, encore une fois, parce que sinon c'est très compliqué d'entrer dans les détails, le fait que le premier, ils vont d'abord aller sur l'étoile de la mort, pour l'étoile noire, pour ensuite aller chez la rébellion, pour ensuite aller sur Hoth, pour ensuite aller dans l'espace, et puis voyage, se faire sur Dagobah, et puis voyage. C'est un peu comme Wild, tu vois, il va un peu partout. cette fameuse trilogie, Jimmy, cette fameuse trilogie, qu'en penses-tu? Cette belle trilogie qu'est Star Wars. C'est pas trop mal. C'est un bon petit film trilogie, indépendant de SF. Non, concrètement, c'est vrai que moi, par rapport à mon âge, je l'ai vu assez, on va dire assez récemment. J'ai dû la voir à l'âge de 12 ans, je pense. Mm-hmm. Ce qui est, on va dire, quand même assez relativement tard. Non, et du coup... Je peux attester, en tout cas, moi, du coup, on l'a vu assez tard. Il y avait déjà beaucoup de films de science-fiction sortis avec des effets beaucoup plus avancés. Et quand même, ce film m'a mis sur le cul, quoi. Quand j'ai vu le premier épisode 4, j'ai trouvé ça énorme, quoi. Il y a tout dans ce film, quoi. En tout cas, moi, ça m'a fait rêver, ça m'a... Ouais, du coup, c'est difficile par quoi commencer dans ce film. Ouais, non, enfin, c'est... Moi, c'est un univers, c'est ouais, une y a tout, manière de concevoir... Tout est crédible, ouais. Tout vraiment est assumé, tout est crédible, tout est, on y croit vraiment, quoi. Même si, voilà, effectivement, c'était ça le gros risque quant à les films, on a beaucoup de films de science-fiction qui ont du mal à vieillir, quoi. Qui vieillissent, c'est mal, même si des fois, le scénaristique, c'est génial, mais en tout cas, niveau visuel, on se dit, ouais, on voit qu'il y a du temps qui est passé. Complètement. C'est un peu difficile. Et ceci, forcément, il y en a qui vont me dire, c'est un peu vieilli, c'est normal, mais quand même... Ça vieillit bien, je trouve. Ouais, ça vieillit bien. C'est quand même une des rares trilogies qui vieillit vraiment bien. Enfin, alors moi, je t'avouerais que j'ai vraiment grandi avec Star Wars. Ouais. C'est-à-dire, j'ai dû le découvrir, j'avais 5-6 ans. J'ai découvert ça avec les premières VHS, c'est-à-dire les versions qui étaient non altérées, les toutes premières versions avant que George Lucas décide de se dire « Ah, et puis si je rajoutais ça, parce que ce genre des effets spéciaux. » Donc ce qui fait que j'ai grandi avec des images où, quand je revois certaines versions, je trouve ça presque scandaleux. Notamment le fameux cri d'Obi-Wan dans le 4 qui, dans la toute première version, était juste terrifiant et qui, plus il vieillit, plus ils en font des caisses, plus ça devient comique. Combien il y a eu de versions remasterisées Je crois qu'actuellement ils en sont à 6 ou 7 versions. Ah oui, quand même. Et c'est remasterisé, modifié, mis à jour. Modifié, c'est ça, ouais. Et ça va très très loin, c'est-à-dire que littéralement, Lucas rajoute des effets spéciaux. Au-delà de simplement recoloriser son image, modifier les choses, ça va un peu loin des fois. Ouais. Et ce qui fait que, dans un sens, tu vois, pour certains plans, c'était important, c'était essentiel. Par exemple, dans le 4, il y a des plans sur des planètes ou sur les vaisseaux, notamment dans la séquence d'assaut final, qui sont intéressants de remettre à jour. Même si, quand tu regardes les versions originales, c'est tout de même vraiment beau. Enfin, il y a des plans des versions originales qui sont magnifiques. Quoi. Original, quoi. Et dans un sens, et c'est en ça que je rejoins ces fans qui se nomment Armies, qui ont fait une version despecialized de Star Wars. C'est-à-dire, en fait, ils ont essayé de récupérer tous les rushs possibles de toute la première trilogie. Et ils ont ramené le matériau de base, c'est-à-dire, en fait... Sur les trois films? Sur les trois films, ouais. Sur les trois films, ils ont essayé de ramener vraiment le matériau de base en enlevant tous les petits rajouts d'effets spéciaux de Lucas et tous les petits trucs qu'il avait fait en plus, pour essayer vraiment de revenir à cette origine-là, parce qu'au final, c'est intéressant de voir le matériau original. Parce que ce matériau original a tout de même donné naissance aux Oscars des meilleurs effets spéciaux, a gagné les meilleurs effets sonores, a gagné la meilleure photographie pour certains. Enfin voilà, c'était un film qui était révolutionnaire à son époque. Et le fait de le remettre à jour, ça ne permet pas aux jeunes générations de voir l'impact qu'il a pu avoir à son époque. Effectivement, ouais, c'est un peu dommage de faire ça.
Et après, par contre, je te rejoins complètement sur le fait que dans certains points, il faut mettre à jour parce que sinon, les gens ne vont pas rentrer dedans. Quoi. Oui, aussi, voilà. Il y a ce côté, mais c'est vrai que des fois, quand ça va un peu trop loin, ne serait-ce que modifier carrément des scènes ou à rajouter des choses, bon, après, on peut, je sais pas, tu peux faire son kiff en disant à l'époque, j'aurais voulu que ce soit fait comme ça, mais c'est vrai que c'est toujours délicat, quoi. Mm. Mais après, tu vois, par exemple, pour donner un ordre d'idée qui montre à quel point Lucas vraiment avait du mal des fois à trouver cette fine barrière, à la base, Jabba, dans la toute première version du Nouvel Espoir sortie en 77, c'était un homme. Carrément un homme ? Jabba le Hutt, sorti en salle, homme. Du coup ? Oui, sorti en salle, c'était un homme, d'accord. Jabba le Hutt. Ce n'est qu'à partir du moment où il a voulu faire l'Empire contre-attaque qu'il a transformé Jabba le Hutt en créature. Et la première créature qu'il avait fait, si jamais un jour tu arrives à remettre la main dessus, c'était une catastrophe. Enfin, tu parles qui apparaît dans le film. Oui, qui apparaît dans le film. C'était une catastrophe. C'était un amoncellement de pixels qui s'enculaient maladroitement et c'était immonde. C'était vraiment immonde. Là, effectivement, quand j'ai vu les versions un peu remasterisées, je me suis dit, là, d'accord. J'ai vu après, ouais, c'est vrai qu'il a un peu. Mais à la base, Jabba le Hutt, dans la toute première version du film, était un homme. D'accord, j'ai entendu parler, mais je pensais que c'était vraiment par C'était vraiment un contrebandier. C'était un contrebandier, tout ce qu'il y avait de plus normal. Et après, c'est toutes les versions. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait Han Solo quand il passe derrière lui, qu'il lui marche sur la queue? Et ça, c'est de l'effet spécial en fait. Ils l'ont rehaussé dans l'image. Ils l'ont rotoscopé, ils l'ont rehaussé dans l'image parce que normalement, il fait que lui tourner autour. Donc, cet homme avait une grande robe et il marche dessus. Ah non, mais c'était impressionnant. Quand on voit les toutes premières images, c'était impressionnant de voir que c'était juste un homme et ça avait quelque chose de saisissant. Et au-delà de ça, ouais, voilà, il y a plein de petits trucs. Enfin, on pourra en parler des heures, mais en gros, voilà, il y a tellement de petites altérations. Il y en a certaines qui sont vraiment à garder, et il y en a d'autres qui sont achetées à la poubelle, tellement c'est des idées débiles de George Lucas. Au niveau du scénario, donc, on va parler des trois dans leur globalité. Je pense, tu vas m'appuyer là-dessus, c'est l'un des plus grands scénarios de l'histoire du cinéma. Carrément. Très clairement. Carrément. C'est à la fois une tragédie shakespearienne, c'est à la fois un grand film épique dans l'espace, c'est un opéra galactique. C'est un opéra, carrément. Parce que il a su utiliser les références, les références mythologiques, le schéma en fait, de l'histoire. Et ça, on pourrait presque transposer sur n'importe quoi. Enfin, encore en cours, justement, ceux qui font les écoles de cinéma, on en entend encore aujourd'hui parler. Quoi. En 2015, on parle encore, en exemple, en cours, regardez le scénario de Star Wars, ça se passe comme ça, comme ça. C'est les choses qui marchent. Et qui effectivement parle, ça marche depuis la nuit des temps, quoi. C'est ça qui est énorme. C'est le fameux héros aux mille visages que Joseph Campbell a théorisé. Il l'a pas créé, il l'a théorisé. Non, il l'a fameux héros aux mille visages. Donc en gros, pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas le héros aux mille visages, un personnage dans un univers va voir un événement altérer sa vision de ce monde. Il va rencontrer un mentor qui va lui proposer deux choix, soit de garder cette vie, soit de partir avec lui et de s'initier à quelque chose qu'il vient de découvrir. Le héros, par la force des choses, va se retrouver à devoir partir avec son mentor. Il va suivre son mentor, il va rencontrer un antagoniste qui va devenir son pire ennemi. L'antagoniste va tuer le mentor et ainsi de suite. Enfin, voilà. C'est tout un schéma d'arc narratif en fait qui est pris mot pour mot dans Un Nouvel Espoir et qui ensuite est modifié et dynamisé au travers de l'Empire Contre-Attaque et du Retour du Jedi. Même si au final, c'est une seule et même histoire. C'est vraiment la naissance d'un Jedi, quoi, tout simplement. C'est la naissance d'un Jedi. Moi, je t'avoue, personnellement, je trouve le scénar du 5 juste tellement un cran au-dessus de tout. Le 5, je l'aime beaucoup. La seule chose, en tout cas, une des choses que je peux lui reprocher, c'est que ça sent beaucoup que c'est c'est le deuxième film d'une trilogie, quoi. Complètement. On commence, on prend déjà, c'est normal, on prend déjà en cours de route, et on finit, mais on sait qu'on attend la suite, quoi. C'est ça, oui. Du coup, par exemple, des fois, si un soir, je me dis, tiens, je me ferais bien un Star Wars, j'ai du mal à me faire que le 5. Tu te dis soit tu vas te faire le 4 et tu vas t'arrêter à la fin, soit tu te dis dans ce cas-là, je fais le 5. Soit j'ai envie de faire qu'un seul film, soit ou peut-être le 3, ou parce que le 3, voilà, c'est la conclusion, ou le 4, mais le 5, c'est délicat du coup. Voilà. Ouais, c'est ça. On se dit, bah non, si je regarde le 5, autant je regarde le 4. Quoi. Ah, tu rigoles, mais même l'autre jour, moi je me suis maté 1, 2 et 3, et à la fin du 3, je pouvais pas me dire, je peux pas m'arrêter là. Et résultat, je me suis maté le 4, et à la fin du 4, je me suis arrêté. Ouais, je pense à la fin du 4, forcément, c'était pas forcément prévu au début, ouais, tu peux t'arrêter. Bah parce qu'à la fin du 4, en fait, c'est le fameux one shot, c'est-à-dire c'était prévu que si jamais ça marchait pas, ça pouvait se terminer et ne former qu'un seul film. Et au final, ça a pu aller beaucoup plus loin, heureusement. Ça marche très bien, ouais. Parce que sinon, ça aurait été bien triste que ça s'arrête là. Moi, c'est ce que je conseille, en tout cas, quand j'ai des amis, des fois, ça existe, qui n'ont pas vu Star Wars. Qui n'ont pas vu, je dis, en tout cas, souvent, ils ont vu soit l'épisode 3, quand ils étaient au cinéma de nos générations. Sinon, je leur dis, en tout cas, regarde au moins l'épisode 4, quoi, le premier film. Si ça te plaît, tu regarderas les autres. Si ça te plaît pas, t'embête pas, quoi. Mais du coup, ouais, c'est délicat de lui dire, regarde le 5. Bah, il va être paumé. Il va comprendre. Mais ouais, non, c'est une des choses que je peux reprocher, mais
C'est une moitié de reproche. C'est lequel toi que tu préfères dans la trilogie au niveau de l'écriture? Ça, c'est un nouvel espoir ou c'est le retour du Jedi ou c'est l'Empire contre-attaque? Moi, par exemple, mon petit frère qui m'énerve, il me dit à chaque fois « Oh, j'adore le retour du Jedi ». Je fais « Ouais, c'est parce que c'est la révélation du Jedi, c'est la compréhension de l'univers qui l'entoure, c'est le face-à-face avec le père. » Non, c'est les Ewoks. Est-ce qu'il a vu le film sur les Ewoks? Non, justement. Et je pense que s'il le voyait, il est bien. C'est bien. Moi, j'ai grandi... D'ailleurs, c'est très con, j'ai grandi avec. J'ai connu les Ewoks avant Star Wars. Et après, en ayant vu Star Wars, je me suis dit « Mais en fait, ils viennent de Star Wars, ces petits mecs !» Mais ouais, avec mon frère, on avait enregistré à la télé en VHS les Ewoks. Il y en a un 2 qui est sorti, qui lui est franchement pas terrible. T'as pas un Noël chez les Wookiees ou un truc comme ça aussi, dans le même style? Je crois que t'avais une série, oui. Jamais vu. Alors, je crois que t'avais aussi un show qui avait été fait spécialement pour Noël qui s'appelait « Un Noël chez les Wookiees ». Où en gros, c'était Han Solo qui se pointait chez Chewbacca, qui avait une femme et des enfants. Et c'était Joyeux Noël chez Chewbacca. Quoi. Ah, c'est mal d'être vu ça. C'était un peu un scandale, c'était mal vu je à l'époque. Pense, rien qu'histoire déjà, c'est Chewbacca. Et... T'imagines bien en plus Harrison Ford débarquer dans le petit studio et faire Hey, Merry Christmas, Chewie. Mais Chewie, you have a family. Pas dit. Non, mais en tout cas, mais quel âge a ton petit frère? Il a 2 ans de moins que moi, il a 21 ans. D'accord. Non, je pense... Et étrangement, il a toujours adoré les Ewoks, il peut pas s'en passer quoi. Moi j'aime bien, enfin je les trouve mignons. Ah mais ils sont mignons, ils sont drôles, ils sont mignons. C'est pour ça que, enfin, quoi que je les aime bien, ils sont drôles et mignons. Si tu fais un film que sur Star Wars, enfin que sur eux, je veux dire, oui. Bon, ça tient un film. Voilà, un film c'est sympa, sympathique. Mais en tout cas, non, je pense, quoi, la trilogie, ce que je préfère, ce serait quand même l'épisode 4. Épisode 4, ouais, un nouvel espoir. Parce que forcément, ce qui marche justement dans le héros au milieu du visage, c'est ça, c'est le début, le héros, on peut tous s'identifier. Complètement. Il est normal, enfin sur n'importe quoi d'autre, enfin même sur Spider-Man, mettons Peter Parker, on s'identifie à lui, c'est un mec normal, il a rien de spécial. Même Matrix. Il devient, voilà, Matrix aussi. Matrix. Tom Anderson est un mec comme nous, qu'on pourrait être. Et puis voilà, il lui arrive des choses, des péripéties, son mentor. Et puis il devient presque un héros, enfin oui, il devient un héros et on se dit, ouais, tiens, ça pourrait nous arriver. On se dit pas explicitement en nous, mais voilà, au début ça nous parle, et après on parle dans un univers qui est génial. Donc je pense que, ouais, le 4, forcément. En même temps, c'est le premier, c'est normal, quoi. S'il y a eu les autres, c'est parce que le premier a énormément marché. Donc ouais, pour moi, je pense que c'est l'épisode 4. J'ai juste de repenser au titre que devait avoir le premier Star Wars et au nom de famille que devait avoir Luke Skywalker à la base. Starkiller. Starkiller, c'est ça. Ça fait vachement plus kitsch, quoi. Starkiller, un nouvel espoir. Et c'était quoi, du coup, le titre du film? Ça devait être quoi? Ah bah, il s'appelait juste Starkiller. Starkiller. C'était Starkiller, le titre du film, parce que... D'accord, je savais pas que ça devait être le titre du film. Le tout premier scénar se nommait Starkiller. Starkiller, ouais, c'est vrai que ça fait plus... Ah bah, c'est... Tu ranges ça à côté du navet qui se nomme Flash Gordon. Ouais, ça fait un peu, enfin ça fait un peu ça quoi. Mais Starkiller. C'était particulier, on va dire que George Lucas, étrangement, si... Et moi j'aime bien le définir comme ça. George Lucas, vous enlevez tous les producteurs et tous les scénaristes qui ont bossé avec lui, c'est un gros bouffe. C'est vraiment un gros beauf, genre. C'est dommage, ouais, il a des petites tendances. C'est dommage parce qu'il a vraiment des bonnes idées, mais il y a vraiment des moments où il a un côté beauf. Enfin, dans un sens, tu vois, c'est ça qui me fait marrer avec le 6. Au niveau de l'écriture, c'est que si George Lucas n'avait pas été présent au niveau de l'écriture du 6, le 6 aurait été peut-être l'une des plus grandes épopées, un point de vue tragique du cinéma. Or, et ben George Lucas a laissé son côté beauf imprégner trop le scénar, ce qui fait que les Ewoks, qui pour certains passent pour un élément comique, passent pour d'autres pour l'espèce de gros beauf qui a envie d'amener de la poilade au milieu de son film. C'est-à-dire, non, c'est trop dramatique, la première partie, là, tes personnages, ils sont en mode, ouais, on va attaquer l'étoile de la mort, c'est trop dramatique, mets-moi des petits nains en peluche, là, et tu les balances dans le film, et ils font que des blagues. Et tu sens que Lawrence Kasdan, derrière, au niveau d'écriture, est en train de faire, attends, on va essayer de rattraper ça, on va mettre des peluches qui meurent, c'est vrai qu'il y en a qui meurent. Je sais pas si tu te rappelles quand même, mais il y a un moment moi qui me fait dire que c'est vraiment la grosse poilade au niveau de l'écriture. C'est un moment où t'as quand même Chewie qui a 2 Ewoks sur les épaules, qui a la liane, qui va attaquer une tourelle et qui fait. Là c'est un peu limite, mais c'est pas faux. Mais c'est juste des petits détails comme ça. Mais dans l'ensemble, l'écriture est vraiment exceptionnelle sur le 4, 5, 6. Enfin, moi, je la trouve vraiment excellente. Et je pense que c'est surtout dû au travail de Lawrence Kasdan et Lee Brackett sur le 5, qui ont vraiment essayé d'apporter quelque chose de tellement grave et de tellement fort au niveau de la narration et de la dramaturgie. Et puis, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est compliqué. Dans notre contexte, je ne sais pas si tu veux m'appuyer là-dessus. Mais c'est vrai que cette fameuse réplique « Je suis ton père », elle perd un peu de son charme parce que,
quand on voit les films, généralement, on sait à l'avance qu'est-ce que c'est, parce que c'est devenu le plus gros spoil de l'histoire de l'humanité, presque, à côté oui, de, cinéma, à, côté de à la fin, le mec, il est mort, et dans, dans la boîte, il y a la tête de sa femme, quoi. Ça s'aligne à côté de ça, mais le fameux « Je suis ton père », c'est même plus un spoil, quoi, tellement, en fait, ça fait partie de la culture actuelle. Non, oui, même moi, je connaissais cette phrase avant d'avoir vu les films, quoi. Alors, on sait que c'est un certain Dark Vador qui l'a dit ou autre, mais c'est les gens, mais... Mais c'est vrai que résultat, quand tu essayes de te remettre dans le contexte de l'impact que devait avoir cette réplique quand elle a été révélée au cinéma en 1980, ça devait être juste fou, quoi. Ça devait être juste fou. Regarde sur Internet, du coup c'est récent, mais il y a un père américain qui a filmé ses deux enfants. Là, c'est peut-être des jumeaux, ils sont tout jeunes, ils doivent avoir 5 ans, un truc assez. Un petit garçon et une petite fille qui sont sur leur canapé et il les filme à ce moment-là, en fait. Et ça effectivement, eux, voilà, ont été inhibés de tout spoil et autres. Et on voit que le garçon est plus imprégné, en tout cas dans le film, c'est le bot plus, mais voilà, on entend « I am your father ». Et t'as le garçon qui fait... Et il reste fixé comme ça. Ah, ça doit être excellent. Fait juste un... Puis ça revient normal, mais le petit reste comme ça. Et c'est énorme, tu dis « Ouais, putain, j'aurais aimé ressentir ça, ne pas avoir su, et se dire « Ouais. Oh putain, non !» Ouais, c'est ça. Non, du coup, ouais, nous, on peut que imaginer, quoi. Essaye d'imaginer la salle de cinéma, au moment où il dit « Je suis ton père », t'as tout le monde qui fait « My God Peut-être des gens qui sont sortis, c'est « Non Oh non !» Le mec qui est dégoûté, qui sort « Non, non, I can't believe it !» It's not true, no. Mais si j'aime pas, c'est mort. C'est un peu sa réaction, hein. Non, il saute. Il saute. Ouais, c'est vrai que du coup, ouais, en tout cas, on n'est pas une génération où on a pu avoir la révélation pendant le film, quoi. C'est ça, c'est ça. Au niveau de la mise en scène, alors là, on va avoir pas mal de choses à brasser, on va essayer de le faire assez rapidement. Donc, George Lucas sur le premier film, Irvin Kershner sur le deuxième et Richard Marquand sur le troisième. Clairement, pour toi, lequel t'a impacté le plus au niveau de la mise en scène, tu dirais? Lequel vraiment tu... On va dire, c'est peut-être plus simple de le formuler comme ça. Quel est le film avec le plus de scènes emblématiques pour toi? De scènes emblématiques? Alors, je me souviens, en tout cas, là, ce qui m'en vient en tout cas direct, là, c'est l'ouverture du 5. Notamment en plus avec la Cité des Nuages, Lando Calrissian, je trouvais ça beau, en plus c'est délicat, c'est un deuxième film, de répondre aux attentes, d'être aussi bien que le premier. Et là du coup, ouais, de Vidus, ce qui me vient surtout, ouais, c'est le... Surtout le 5. Ouais, je sais pas pourquoi, je dirais le 5. Mais ah non, mais moi je sais pourquoi, c'est parce que Irvin Kershner, lorsqu'il a conçu la mise en scène du 5, c'était vraiment dans une optique où il devait perdurer la manière qu'avait conçu le film, ouais, George délicat, Lucas. Hein. Et en fait, ce qu'il a apporté, c'est un énorme travail de lumière, en fait. C'est-à-dire que si tu regardes bien l'ensemble du film, il a un jeu de lumière qui est exceptionnel. C'est-à-dire que, par exemple, les séquences, justement, la fameuse séquence du combat entre Luke et Dark Vador, elle marche parce qu'elle a un jeu de lumière absolument divin. Déjà, la lumière qu'il y a dans la section où il y a la... Il y a la congélation en carbonite, oui, je pense ça, qui joue entre les lumières orangeâtres de l'endroit où se trouve ça, la, mise en scène aussi, la cage de congélation et les lumières bleues qui entourent. Enfin, ce très beau jeu, et en plus le fait que voilà, ils se combattent avec des épées et c'est vraiment la lumière des sabres. C'est circulaire et tout. Non, c'est vrai, en plus, je repense maintenant au combat, t'as un peu la fumée et tout. Non, c'est vrai que, du coup, oui, je pense. Et en plus, Lucas a casé un hommage à 2001 l'Odyssée de l'espace dans cette séquence-là. À un moment, Luke, quand il a envoyé Dark Vador en dehors de la salle de congélation, qu'il le pousse et qu'il redescend, en fait, il rentre dans un espèce de grand tube. Et en fait, ça, c'est un hommage à 2001 l'Odyssée de l'espace, à une séquence où d'accord, on a les personnages qui rentrent dans un tube pour aller justement d'un endroit à un autre du vaisseau. Et en fait, c'est un hommage à 2001 l'Odyssée de l'espace. Exact. Et on a casé plein comme ça, des hommages à 2001. Tu vois, ça je savais pas. Et puis moi je trouve ce film, L'Empire contre-attaque, c'est le plus réussi visuellement parce que Irvin Kershner a réussi à rendre encore plus puissant quelque chose de vraiment tragique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le film, je pense, si ça avait été filmé par George Lucas, ça aurait été moins impactant, malheureusement. Peut-être. Ça aurait été. Puis en plus, tu le remarqueras, je pense, au niveau des acteurs, moi je trouve que tous les acteurs sont poussés beaucoup plus loin à partir du 5 que dans le 4. Dans le 4. Ouais. C'est des acteurs qui sont tout de même très bons, mais je trouve qu'ils sont un peu maladroits de temps en temps. Parce que je me dis, à leur place, les mecs sont embarqués dans une histoire folle, on va faire un truc science-fiction, ça se passe dans une autre galaxie, on crée tout l'univers, et je me dis que ça doit être délicat de vraiment y croire.
Il y a plein de films dans cette époque qui ont été des gros flops, qui sont peut-être même des fois rarement été produits. Le Trou Noir, par exemple, de Disney, qui était vraiment typiquement une épopée dans le style de Star Wars et qui a fait un énorme flop parce que les gens ne sont pas du tout rentrés dedans. Sorti en 80, je crois, tout pile au moment de l'Empire Contre-Attaque. En plus, C'est l'exemple le plus parfait de ce genre-là, c'est-à-dire vraiment c'est à quel point c'est compliqué de maîtriser la SF et arriver à lui rendre un côté ultra ambitieux là où la plupart des gens ils verraient simplement une grosse poète sur fond vert. Quoi. Ouais, c'est là du coup, je pense qu'en tant que comédien, après voilà, quand ils ont vu le succès du 4, ils se sont dit ils ont bien fait de bien travailler dessus, et effectivement là tu crois plus, tu dis ouais, surtout que ça fonctionne vraiment, donc tu assumes réellement, et effectivement au niveau de l'écriture, les personnages vont vachement plus loin, donc je pense que ça, ouais, c'est un aspect qui le rend aussi bien, quoi. Qui le rend aussi de bonne qualité. Puis après, quand même, moi je t'avouerais qu'il y a tout de même dans le 6, donc réalisé par Mark Hunt, il y a cette séquence de fin entre Dark Vador, Luke et l'Empereur, qui est tout de même extrêmement bien faite, parce que je trouve qu'elle a une émotion qui se dégage de chaque instant, qui est vraiment magnifique. Enfin, c'est bête à dire, mais l'instant où Luke apprend que Dark a la connaissance de sa sœur, et que Dark commence à dire qu'il va lui imposer à elle de passer du côté obscur, et que Luke, enragé, allume son sabre laser et commence à le frapper, et qu'en plus Mark Hunt a cette idée absolument magnifique de se rapprocher très près des personnages au début, puis ensuite de s'éloigner, de faire un long travelling panoramique où il va montrer les personnages avancés et Dark Vador reculé, où Luke va le fracasser avec son sabre laser. Enfin, elle est d'une intensité, moi je me rappelle, j'ai re-regardé tout récemment, mais j'avais les poils qui étaient hérissés, j'étais pas bien, j'étais en mode, mais c'est dingue, elle est dingue cette séquence. Et je trouve en fait, c'est ce qui transcende les trois films, c'est-à-dire qu'ils sont pas du tout équilibrés au niveau de la mise en scène, il y en a qui sont beaucoup plus ambitieux que d'autres, et il y en a qui sont beaucoup moins ambitieux, mais ils ont tous cette émotion qui se dégage de chaque instant fort. Ça oui. Où peu importe le film, peu importe ce qui se passe, peu importe la manière, l'éclairage, la mise en scène, la manière dont c'est conçu, tous ces films-là sont d'une émotion à fleur de peau à chaque séquence. Ce qui nous manque du coup énormément dans ce qu'on disait dans l'épisode 2, dans la trilogie, où là effectivement il y a un souci à ce niveau-là. Quoi. Mais c'est vrai que dans la trilogie, c'est pour ça même des fois, on réfléchit même encore aujourd'hui, quel épisode tu préfères. Au fond de moi, je sais que c'est le 4, mais des fois il y a toujours des choses auxquelles on va repenser, on va dire ouais, c'est vrai que ça c'est pas mal dans celui-là. Et du coup ça monte, on a trois films, on hésite entre trois films. Quoi. C'est qu'ils sont vraiment... Après ils ont tous leurs petits avantages, leurs petites faiblesses sur chaque point ou chaque aspect. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que au niveau des impacts et tout ce que ça, toutes les scènes sont vraiment... On a vraiment une tension qui sont tout au long des films, quoi. Ouais, c'est ça. Qui est vraiment pas mal. Franchement, moi, je te jure, j'ai une scène emblématique dans chaque film. Je trouve que dans le 4, c'est la séquence d'attaque sur l'étoile noire, qui est vraiment magnifique. La séquence dans les tranchées, c'est super bien filmée, elle est dingue. Dans le 2, c'est le combat entre Dark et Luke. Et dans le 3... petite hésitation quand même entre la séquence de fight sur le bateau de Jabba et quand même la séquence de fin entre l'Empereur et Dark et Luke. Bon, je serais peut-être un peu plus sur celle de fin du coup avec l'Empereur et... Mais oui, c'est vrai qu'il y a plein de scènes qui sont excellentes. Quoi. Et les Ewoks restent mignons. Les Ewoks sont toujours mignons, ça n'est pas parce qu'on râle dessus et qu'on dit que c'est des Jar Jar Binks mais beaucoup mieux que c'est pas mignon, c'est très mignon. C'est très mignon, les Ewoks. Très mignon. En plus, ils bouffent des gâteaux comme ça et ils font le yam yam. Mais je suis genre, regarde le film. Regarde le film, les Ewoks. Yam yam. Ben voilà, au niveau du casting, alors là, casting. Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, David Toe dans le rôle de Dark Vador, tout de même. Oui, qui du coup, le pauvre, on ne cite pas assez souvent. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, David Toe, c'est le grand mec avec des petites lunettes qui fait du bodybuilding dans Orange Mécanique à la fin du film. Oh oui! Et oui, c'est lui. Et oui, c'est lui. C'est vrai, ouais. C'est lui. Et comme quoi, avec une armure, tout de suite, t'as l'air beaucoup plus badass. Ça change forcément. Par contre, moi, il y a un point qui m'a toujours fait rire, que j'ai remarqué entre le 4 et le 5, c'est que tu sens qu'il y a une augmentation de budget. Tu sais pourquoi? Parce que dans le 4, le casque de Dark Vador n'est pas lustré. Exact. Et dans le 5, il est lustré. Tu le vois, il est mat. le casque est mat. Mais ouais, c'est vrai que... Bah, il a des petits assistants qui avant chaque avant chaque prise, ils arrivent avec un petit coup de cire. Non, c'est vrai. Non, bah voilà, au niveau des acteurs, toi, qu'est-ce que tu retiens vraiment de... J'en parlais vaguement tout à l'heure, je trouvais qu'il y avait une vraie évolution entre le changement de metteur en scène entre le 4 et le 5. Est-ce que tu l'as ressenti un petit peu toi aussi? Ouais, si ça se ressent, forcément. Et même, je me projette toujours du coup en tant que comédien. Quand il y a une mise en scène, du coup, ça se recoupe un peu toujours avec la direction d'acteur. C'est important. Si on a un metteur en scène qui a une vision précise, forcément, il faut qu'il en parle aux comédiens,
qui leur projette sa vision, pour que ce soit partagé vraiment pour que ça fonctionne. Et ouais, forcément, c'est normal que ça se ressente. Et c'est vrai qu'en tout cas, ouais, je retire mon chapeau, bon, en tout cas pour forcément l'épisode 1, parce que les acteurs et même toute l'équipe de film ne savait pas qu'est-ce que ça allait donner, qu'est-ce que ça allait rendre, s'il y aurait un succès à la clé. Et ouais, je me dis, il faut vraiment avoir des couilles, quoi, pour faire un film comme ça, pour y croire, même en tant que comédien, pour assumer totalement, se dire non. S'il y a des fois, je pense, on peut se dire, putain, c'est quand même vachement ridicule ce qu'on fait, quoi. On combat avec des épées où ça va être des lasers à la place. Là, j'ai deux robots qui me suivent tout le temps, hein, qui a couleur or et un qui roule, c'est un nain qui est dedans. Ouais. Non, franchement, ouais, ils ont assumé ça jusqu'au bout et bravo, quoi. Et après, forcément, quand ils ont le succès, ils se sont dit, ouais, on a bien fait de faire ce qu'on a fait, on va aller encore plus loin, on va assumer encore plus. Et ça paye, quoi. Ça paye. Mais surtout quand tu vois des mecs comme Harrison Ford qui ont réussi, qui quand même sont connus pour avoir interprété deux personnages légendaires de l'histoire du cinéma qui se nomment tout de même Han Solo et Indiana Jones. Ouais. Voilà, excusez du peu. Carrie Fisher qui elle tout de même a connu une bonne carrière, notamment avec les Blues Brothers, où elle a eu un rôle. Et Mark Hamill, lui, est carrément rentré comme icône de la pop culture. Et dernièrement, c'est tout de même celui qui a doublé le personnage du Joker dans les jeux Batman, dans Batman Arkham. Même dans les dessins animés. Et même dans les dessins animés. C'était lui à la base. La fameuse série de 92, c'est vrai que c'était lui. C'est la meilleure. Ouais, c'est vrai. Il n'y en a pas d'autres. Bon, nous, on l'avait pas, c'était la version française, forcément. Mais t'es pas encore à regarder les séries en VO à l'époque. Bah si, attends, moi j'avais 2 ans, je regardais les séries en VO. Avec tes cheveux capiques. Avec tes cheveux capiques. Oh maman, j'adore cette vanne. T'avais compris ? Non, laisse faire. Non, ouais, lui, c'est vrai qu'en tout cas, ouais. C'est drôle en plus, enfin, c'est forcément la pop culture, mais c'est quand même carrément rien à voir. En plus, c'est du doublage et ouais, il est beaucoup, énormément connu. Autant presque pour ça aussi, quoi. C'est ça. Qui a été fait après, mais. Non, mais c'est dingue. Puis même pour ceux qui adorent ça, dans Jay et Silent Bob contre-attaque. Kevin Smith a tout de même casé Mark Hamill dans un gros caméo, donc si jamais vous voulez le voir, essayez de chercher Jay et Silent Bob contre-attaque, c'est un film pour les gros fans de Star Wars, ils vont adorer. Bah voilà, bilan de la trilogie. Quel film gardes-tu vraiment en mémoire? Bah, le 4. Le 4. Ouais. Parce que pour moi, c'est une symbolique, c'est le symbole, quoi. Ouais. C'est le premier, donc il représente tout. Donc ouais, je garde le 4. Et bah, moi, je garde le 5. Je garde le 5 parce que l'Empire contre-attaque, je trouve que c'est une tragédie shakespearienne absolument dingue. Et c'est tellement ambitieux, c'est tellement dense, c'est tellement vaste, c'est tellement fort émotionnellement. Il y a tellement un paquet de scènes cultes. Ça marche à chaque fois et t'es tout le temps pris dedans. Enfin, ouais, moi je garde vraiment l'Empire contre-attaque parce que je trouve que c'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Très clairement, si un jour je devais faire un top 10 de mes films préférés de l'histoire du cinéma, il serait dedans facilement. Soit le 5, d'accord. Vraiment, il serait dedans facilement. Rapidement, est-ce que tu peux me donner tes attentes pour Star Wars 7? Ah. Forcément, on en a des attentes pour Star Wars 7. Alors, justement, je pense que je me bride un peu. Je fais exprès de pas trop en avoir. Pas parce que, bon, en même temps, on est pas mal dans les reboots, remakes. Là, heureusement, c'en est toujours pas un. Mais du coup, moi, en tout cas, j'ai regardé que le premier teaser, la première bande-annonce. Je m'arrête, parce qu'aujourd'hui, les bandes-annonces, on en a 5-6 facilement, avec des spots TV. Avec nous cette spoil, super bande-annonce, par exemple, de Batman versus Superman qui te spoil tout le film. Ouais, enfin, du coup, celui-ci, je l'ai regardé, parce que j'ai moins d'attente. Je sais que j'irai le voir au cinéma, mais bon, s'il n'est pas terrible, je ne vais pas être déçu plus que ça, quoi. Ouais, je veux dire, c'est con. Du coup, ça ne me dérange pas de regarder les bandes-annonces, mais ouais, en tout cas, je me suis dit, c'est con. Enfin, c'est con que vous me montriez cette scène. Voilà, en tout cas, pour Star Wars, moi, le ressenti déjà que j'ai avec les premières bandes-annonces, ça m'a l'air de ressembler un peu plus à la trilogie originale, qui n'est pas du tout pour me déplaire, au contraire. J.J. Abrams, bon, je fais plutôt confiance. Ben, je vois pas qu'il aurait pu prendre d'autres. Sûrement d'autres noms, mais non, je trouve ça bien. Après, t'as toujours les autres réals qui sont pressentis, là, pour Rogue One, c'est Gareth Edwards, celui qui a fait Godzilla, et pour le Star Wars 8, c'est Rian Johnson qui a fait Looper, donc ça reste des réals qui sont pleins d'ambition et intéressants, mais c'est vrai qui ont fait des choses intéressantes. C'est vrai que J.J. Abrams, dans un sens, c'était presque l'évidence de... C'est surtout ça, ouais. Même si c'est un peu paradoxal que le mec qui reboot Star Trek relance Star Wars. Mais... Il y a deux communautés, quand même, qui vont devoir fusionner d'une saga assez particulière. C'est particulier. Non, du coup, elles attendent, ouais. Non, je pense que je me bride justement, moi. T'en as pas trop, disons, ouais, justement. Ouais. Non, mais t'as raison. Pour pas être déçu, parce que si j'étais dans trop l'attente. T'as raison. Je vais me pendre, quoi. Moi, j'ai qu'une seule attente, c'est que ça soit dans le respect des originaux et qu'en même temps, ça nous sorte quelque chose de neuf et quelque chose de frais. Ça, c'est sûr. Enfin, je me dis, en tout cas, même des fois quand je discute avec des gens, ils me disent, ouais, j'espère que ça va vachement ressembler aux 3 ou autre. Je dis, non, ça va être différent. Autant que la prélogie est différente de la trilogie, c'est sûr. Même si on voudrait faire pareil, genre, je sais pas, quand on fait des fois des remakes de films ou des suites, on n'y arrive pas. Parce que c'est pas tourné dans la même période, on n'est plus dans les mêmes temps, on n'a plus les mêmes mœurs.
on pourra jamais faire un film pareil qu'il a été fait par exemple dans les années 80-90. Mm-hmm. Donc là, forcément, je pense que c'est pas le but, et c'est normal. Donc je pense quoi, ouais, effectivement, il y avoir quelque chose de neuf. J'espère c'est surtout ça qui sera bien. Et on aura un petit côté, ouais, qui en tout cas, les bandes annonces me donnent un petit côté épisode 4 de l'ancienne trilogie. Donc j'espère qu'on aura un bon mélange en tout cas. Du coup, ouais, ce qui est intéressant, c'est de ce qu'ils ont fait en tout cas, c'est de prendre forcément un nouveau casting qui vont renouveler en tout, aussi pour reprendre une nouvelle génération des enfants d'aujourd'hui qui vont aller voir ces films au cinéma et de reprendre aussi l'ancien casting. Donc on aura Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher. Et je suis plutôt content parce que je me dis, je prends exemple dans ma tête, là j'ai Indiana Jones le dernier, qui moi qui suis un grand fan d'Indiana Jones et d'Harrison Ford, enfin il était excellent dedans. Mais bon, on va pas se mentir, ça se voit, ça se sent même au niveau du jeu, il a vieilli quoi, Harrison Ford, c'est plus le même, clairement. C'est normal, c'est pas de sa faute, nous aussi on sera plus les mêmes. On fera encore des vidéos bientôt, du coup je pense que c'est un bon choix, ça, de pas non plus tout effacer, de repartir avec un nouveau casting, mais de faire une bonne transition. Ils vont être présents, mais ce sera pas eux non plus au centre du film, nos anciens comédiens, parce que ça fait un petit, ouais, ça fait toujours un petit peu mal au cœur, quoi, de se dire ouais ils ont vieilli, c'est plus pareil. Ils essaient de faire, mais ça marche pas. En tout cas, niveau casting, ça me paraît une bonne idée. Après, est-ce que ça va bien être exploité, est-ce que ça va bien être amené, j'espère. Et ben, j'ai envie de te dire qu'on va donner rendez-vous aux gens demain, puisque ce sera demain qu'on vous dira si on a aimé Star Wars 7 ou non. Jimmy, oui, je te dis à demain. Je te dis pas au revoir. Je te dirai au revoir demain. Donc je te dis à demain. Voilà, d'ici là, rematez-vous les Star Wars si ce n'est pas déjà fait, parce que sinon vous serez pas à la page. Ce serait un petit peu dommage. Et on se retrouve demain donc pour parler de Star Wars 7, le réveil de la Force.